chantez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Venez, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles, amen. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Hymne au Dieu immortel, page 20. Dieu de tout immortel, insaisissable, invisible, tu t'es fait mortel, accessible à tous. Visible dans ta chair pour tous les hommes, resplendissant de gloire pour tes fidèles. Celui qui a cru, qui a vu et contemplé ta gloire, tu habites avec lui l'obscurité de cette vie. Soleil couchant, l'aube inextinguible, tu nous attires à toi, resplendissant de lumière. Tu es notre race contre la chair, nous de ta race par la divinité. Car en prenant notre nature humaine, tu nous as donné ton esprit très saint. De chacun tu fais ton temple, ta demeure, en toi nous demeurons, en toi nous reposons. De mortels nous devenons immortels, sans perdre notre nature nous devenons les fils. Semblable à toi, membre de ton corps, par ta grâce nous contemplons le Père. Psaume 72. Montez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur a pour les hommes au cœur pur. De la peine des hommes, ils sont absents. Avec Adam, ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est le collier, la violence, le vêtement qui les couvre. La malice, leur sort de la graisse, l'artifice, leur déborde du cœur. Ils récagnent, ils prônent le mal. Hautement, ils prônent la force. Leur bouche s'arroge le ciel, et leur langue s'ébat sur la terre. C'est pourquoi mon peuple va mes yeux, des eaux d'amour dans ce raviel. Ils disent comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Voyez-les, ce sont des impies, et tranquilles toujours ils s'entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavant mes mains en innocence? Quand j'étais frappé tous les jours, et j'avais mon châtiment chaque matin. Si j'avais dit, je vais parler comme eux, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. Pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrais dans le mystère, où je pénétrais le destin. Mais enfin, tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Oh, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante. Comme un songe en réveil, Seigneur, en t'éveillant, tu méprises leur image. Alors que s'est glissé mon cœur, alors que j'avais les mains percées, stupide sans comprendre, j'étais une brute devant toi, et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par ma main droite. Par ton conseil, tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi, je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés. Roc de mon cœur, ma part à Dieu à jamais. Qui s'éloigne de toi, périra. Tu es sûr.
chez Dieu est mon bien. J'ai placé dans le Seigneur mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres. Au porte de la fille de Simon, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cantique d'Amos, page 328. En ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquière toutes les nations qui m'ont appartenu. Voici venir des jours où la bouse et moisson pressent et se maillent et se suivront de près. Les montagnes resteront coulées de vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes, en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, dit l'Éternel ton Dieu. Et jamais plus ils ne seront arrachés de la terre que je leur ai donnée. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Psaume 145. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Louons mon âme le Seigneur. Je vais louer le Seigneur tant que je vis. Je vais jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point votre foi dans les princes, un fils de la Grèce ne peut sauver. Et on le sauve et retourne à sa glaise, en ce jour-là périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui des dieux de Jacob, et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain, le Seigneur guérit les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu aussi en âge en âge. À son Fils Jésus-Christ, le Seigneur.
siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Le Saint Cyprien de Carthage, au IIIe siècle, en serviteur vigilant. Mon vœu personnel, frère, très cher, et aussi mon avis, mon conseil, c'est que, si possible, aucun de nos frères ne périsse, et que notre mère joyeuse renferme en elle le corps unifié d'un peuple en pleine harmonie. La vigueur de la foi a dépéri chez nous. La force des croyants s'est élanguie. C'est à notre temps que songeait le Seigneur quand il a dit « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Nous voyons cette prophétie se réaliser. Tout ce que craindrait notre conscience, si elle croyait, elle ne le craint point, parce qu'elle ne croit pas. Si elle y croyait, elle serait vigilante. Et si elle était vigilante, elle se sauverait. Réveillons-nous donc, frères très chers, autant que nous en sommes capables. Secouons la torpeur de notre inertie invétérée. Veillons à observer et à pratiquer les préceptes du Seigneur. Soyons tels qu'il nous a prescrit d'être quand il a dit « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. » Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Oui, restez en tenue de service, de peur que, quand viendra le jour du départ, il ne nous trouve embarrassés et empêtrés. Que notre lumière brille et rayonne dans les œuvres de justice, qu'elle nous achemine de la nuit de ce siècle à la lumière de l'éternelle clarté. Attendons sans cesser d'être circonspects et sur nos gardes l'arrivée soudaine du Seigneur, afin que, lorsqu'il frappera à la porte, notre foi s'éveille pour recevoir du Seigneur le prix de sa vigilance. Si nous observons ses commandements, si nous retenons ses avertissements et ses préceptes, les ruses trompeuses du calomniateur ne pourront nous accabler durant notre sommeil. Serviteurs vigilants, nous régnerons avec le Christ triomphant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia, alléluia. Le
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu des cieux. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous donner qu'affranchi de la crainte et délivré des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par de la ténèbre qui gise dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, siècle des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends
pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.